Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve, je vais vous présenter les derniers produits que Yves Rocher ont sortis pour les fêtes. Et je vous ai parlé dans un lundi viens boire un café avec moi que j'allais vous faire des petites surprises. Donc ça va en faire partie. Donc ce que je vais vous montrer, ça sera dans les lundis viens boire un café avec moi. Je sais pas quel lundi se trouvera les produits, mais en tout cas, ils y seront bien et il y aura une gagnante. Je fais ça tous les lundis jusqu'au 21, donc c'est le 7, le 14 et le 21. Je sais plus, il y a 3 lundis dans le mois de décembre, donc voilà. On va commencer. Donc, ils sont sortis cette année toute une gamme en passant du gel douche, crème pour les mains, stick pour les lèvres, de l'huile, douche, gel douche, bain, je vous ai dit. Pour le corps, des vernis. Donc voilà, c'est la nouvelle gamme. Donc on va retrouver les senteurs orange amande, orange cannelle et vanille épicée. Alors, les trois senteurs, je vous les ai pris comme ça et ça sera donc avec... Parce que sur le site Yves Rocher, on peut avoir aussi les paquets cadeaux, les contenants. Donc c'est ce que j'ai fait pour pouvoir vous l'offrir. C'est doré, c'est fête. Donc voici les trois senteurs. Alors, il y a orange confite. Quand je l'ai senti, celui-ci, donc ils ne sont pas du tout, donc j'ai pu les sentir. On sent effectivement l'orange confite amande. On sent l'orange confite, vous savez, qu'on va retrouver dans les cakes où il y a tous les fruits. Ça me fait penser à cette odeur. Et effectivement, il y a un peu d'amande dedans. Ce n'est pas mon odeur préférée. Je savais que j'aimerais pas trop... ça aurait été orange tout seul, oui, mais associé à d'autres choses, non. Ensuite, on va retrouver l'orange confite cannelle. Donc pareil, on sent aussi la cannelle. C'est pas trop mon truc non plus. Après, il en faut pour tout le monde. Et la troisième, vanille épicée. Et là, c'est mon truc. La vanille épicée, on ressent vraiment... Le côté épice, un peu comme le pain d'épices, j'aime pas spécialement le pain d'épices, mais ça sent ça. Et la vanille est subtile. Voilà. Donc voici les senteurs. Donc en fait, je vais vous présenter vraiment une gamme complète où là, vous pourrez, je pense que ça va être, surtout c'est le cadeau de Noël, vraiment, ça va être pour le dernier lundi, hein, je pense. Hein. Voilà, les trois produits que je viens de vous présenter, ça sera aussi pour... dans un lundi. Donc une gamme complète peut se présenter comme ceci. Donc il y a le contenant, j'ai tout sorti exprès et je vais tout remballer. Le contenant était vraiment bien enveloppé, d'ailleurs une fois que j'ai fini la vidéo je vais remettre dans un papier bien épais et dans une boîte. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien emballé et je trouve ça vraiment génial, ça fait son effet. Je voulais aussi vous le montrer pour faire des idées cadeaux pour vos proches, vos familles, les jeunes filles, tout le monde, voilà. Alors, dans celui-ci, on va retrouver pour la douche, je trouve ça sympa. Donc, la gamme, donc moi je vous ai pris la gamme vanille épicée, parce que en fait, l'orange c'est assez particulier. La vanille épicée, je pourrais peut-être moins me tromper, on verra bien, hein. Donc, comme je vous ai dit, on retrouve un gel douche, on va retrouver un lait pour le corps, on va retrouver, et ça, moi, je vais vous montrer après ce que j'ai pris pour moi, on va retrouver, c'est les bulles de bain, donc si vous pouvez voir, ça fait des micro paillettes noires, donc on a l'effet que ça a des paillettes, mais ça fait bah, les épices, quoi, en fait, hein, la vanille, plutôt, pardon, dedans, pour aller dans la douche. On a la vanille épicée en crème de main. Donc, je l'ouvre pas, hein, vu que c'est pour vous. On a le stick à lèvres. Et on a pour les mains, pour se laver les mains. Voilà, ça, c'est un contenant. Où est-ce que j'ai mis ma facture? Il se trouve là. Donc, juste pour vous donner une idée, c'est autour de 20 euros, c'est 19,95 €. Donc voilà, pour 20 euros, vous avez quand même un beau cadeau pour offrir à vos proches. Et c'est la nouvelle gamme. Donc, dans toutes les senteurs, vanille épicée,
orange confite cannelle et orange amande. Vous retrouverez des coffrets, il y en a d'autres, hein. Moi j'ai trouvé celui-ci sympa. Donc celui-ci, il sera à gagner dans un lundi, viens boire un café avec moi au mois de décembre. Ensuite, ben, c'est Lola. Voilà, ça sera pareil dans un lundi, viens boire un café avec moi. Je pose tout ça là. Ensuite, vous retrouverez, je pense, je vous ai pris, alors, ça je vous le montre après. Il y avait aussi, pour les ongles, un vernis, donc c'est la nouvelle collection donc, que je vais vous présenter après avec les autres. Donc on va retrouver une petite crème pour les mains avec Salima Ongles et un vernis, ça fera partie aussi d'un lundi, viens boire un café avec moi. Et ensuite, pour moi, alors je me suis pris donc le gel douche vanille, et le gel douche vanille, il est à... Je retrouve pas... Bain douche. 6,35€, ça doit être ça. 6,35€. Ensuite, j'ai pris... Là, c'est exfoliant bubble. Ah oui, c'est les bulles gommantes, ils appellent ça, pour le bain. Donc, je crois que ben, c'est ça qu'il y a dans l'autre aussi. Il va y en avoir deux, voilà. Oui, donc vous retrouverez la même chose dans le lot que je vous ai préparé. Donc, les bulles. Oui, ils appellent ça les bulles. Donc là, c'est bulles gommantes pour le bain vanille épicée. Et moi, je me suis pris l'huile aussi de bain parfumée, apparemment, mais quelques gouttes dans notre bain. Comme Lily, elle aime bien aussi tout ça, donc... Hop. Alors, les bulles gommantes, donc ces grosses bulles-là, ils sont à 4,95€. Je vous mettrai tout en barre d'infos avec le site d'Yves Rocher. Ensuite, l'huile de bain vanille épicée. Alors, j'ai trouvé un peu plus petite. Elle fait 150 ml et les bulles, elles font 250. Vous voyez, elles sont vraiment petites. Et je l'ai trouvé quand même un peu chère, 6,50€. Ensuite... La nouvelle gamme de vernis pour là les fêtes. Donc celui-là que je vous parlais, voilà, il se présente comme ceci. Donc moi, vous savez que maintenant, je mets le vernis permanent. Voilà. Donc ça sera aussi deux vernis que je mettrai dans un lundi, viens boire un café avec moi. Vous allez dire, et toi? Non, mais moi, c'est bon. Hein. Et celui-ci, donc, qui était avec ce lot-là. Je vais vous montrer, je vais vous dire les références. On va commencer donc par lui. Je les ouvre pas du tout, hein. Je sais pas le pinceau, je veux pas les ouvrir. Poupre perlé, c'est une sorte de violet, des tonalités de rose avec un peu argenté. Si vous pouvez voir, voyez un peu les reflets. Voilà, il y a plusieurs couleurs, hein. Mais moi, c'est des couleurs que j'aime, que j'ai pris, j'aime bien. Celui-ci, cerise noire, j'adore. Voilà. Ensuite, il y a le bleu nuit perlé. Voilà, donc ça sera pareil dans un lundi, dans un petit paquet pour vous. Et moi, à côté de ça, je me suis commandé mon crayon à sourcils. Les vernis, on va les retrouver au prix de 2,95€. Et mon crayon... Un sourcil 5,95€, il est en promo. Voilà, donc on va retrouver le petit goupillon, d'ailleurs c'est la teinte que j'ai, il me reste plus que ça et je le finis, et c'est la teinte châtain. Il y a blond, châtain, châtain foncé, brun, cendré, je crois. Voilà, moi je l'aime bien. Et puis je passe comme le Gimme Bro après, qui est vraiment la même teinte, et vraiment bien. J'ai rien à dire de négatif sur ce crayon-là. Et celui-là, vous savez que j'ai, il remonte pratiquement au début de ma chaîne. Donc c'était à l'époque Nati, de Venati, je crois, qui avait une chaîne. Et elle adorait ce crayon, donc du coup, elle m'a dit, essaye, teste-le, c'est ce que j'ai fait. Et vraiment, bon, entre-temps, j'ai essayé d'autres choses, c'est pour ça aussi sûrement qu'il me reste, mais bon, là, j'en suis arrivée à là. Vraiment très, très bien. Voilà, voilà pour la collection de Noël. Je voulais vous montrer donc ce qu'ils ont sorti, les senteurs, et surtout que j'avais envie aussi, ben, pour vous, pour vous remercier ben, vraiment de votre fidélité, de tout ce que vous m'apportez.
au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les échanges qu'on peut avoir. Donc je me suis dit, j'avais envie de faire aussi découvrir et gâter. Donc comme vous le savez, je sais Rothschild, je pourrais tous vous gâter, mais c'est pas possible. Donc ça sera vraiment Ramdan qui fera son boulot. Et j'en suis vraiment désolée pour les autres filles. En tous les cas, on se retrouvera au mois de décembre, tous les lundis comme d'habitude. Et il y aura les lundis, les surprises, c'est Noël. Et je sais que moi, vous me couvrez toute l'année. Vraiment, ça soit aussi bien par vos messages de sympathie, par mes colis que je peux recevoir de certaines et tout, par les messages via Facebook, par être là, par le partage. Donc, le retour, c'est moi aussi. J'ai envie de vous faire plaisir et ça tombe bien, je suis un petit peu la maman Noël. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez déjà testé cette gamme là, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, celle que je préfère honnêtement, c'est vanille épicée, j'aime bien. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and zen.